J'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bah nouveau vlogmas en fait, hein. Je continue un peu vlogmas. C'est d'aller jusqu'à 25 vlogmas, on va essayer de le faire. Je vais vous faire quelques petites vidéos, en plus là je suis en vacances donc ça va, je peux en filmer. Là je vais vous montrer tout ce que j'ai reçu à Noël. Alors à Noël j'étais vraiment gâtée par le Père Noël, il était vachement généreux cette année. Donc on va commencer par exemple pour mon copain, il a eu aussi des petits cadeaux de Noël de ma part. Il a eu des places pour aller à Disney. Je suis contente parce qu'il y avait une bonne promotion pour Disneyland. C'était un jour de parc à 51 €, donc j'en ai pris pour nous deux. C'est valable du 6 janvier au 7 février. Donc trop hâte de partager un petit moment avec lui à Disneyland. La dernière fois on était à Disneyland, c'était vraiment magique, on a vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, je lui ai pris ça pour Noël. Je lui ai pris pour Noël parce qu'il adorait ça et qu'il était trop deg parce qu'il pouvait pas l'avoir sauf en allant à Disney. Moi j'ai réussi à l'avoir. C'est le fameux Simba de Orlinski. Il est vraiment très joli. Je sais pas si vous arrivez bien à voir, mais il est vraiment très beau. Dès qu'on a su qu'Orlinski allait faire ça, on avait trop hâte de l'acheter. Et à chaque fois on nous disait bah ça sera uniquement sur Disneyland Paris. Et au final j'ai réussi à l'avoir sur le site de Disney Store. Il est resté genre une journée sur le site et moi j'ai réussi à le choper. Et après il a disparu totalement, donc je sais pas s'ils l'ont remis en ligne, mais je suis trop contente, j'ai pu lui prendre ça. Il coûte 54 €. Donc voilà, très belle pièce. Je lui ai aussi pris un super beau manteau chez Esprit. Un beau manteau, il y en a pas, il y avait que des blousons en cuir. Et personnellement le blouson en cuir ça va 2 secondes, hein, ça fait gamin, voilà. Moi je voulais qu'il ait un vrai manteau, comme un homme en fait, un vrai homme avec un beau manteau magnifique. Et comme ça il aura pas froid là, bah, cet hiver. Et donc c'était un blouson de chez Esprit, je l'ai acheté pendant les Black Friday, c'était à 190 € et je l'ai payé 150 je crois, tout comme ça. Il a été vachement gardé par le Père Noël, mais bon il le vaut bien. Ensuite pose chouquette, ça je suis trop contente parce que je le voulais vraiment pour chouquette parce que c'est hyper pratique. C'est un truc pour mettre les croquettes à l'intérieur et une petite pelle. Donc moi je lui ai acheté pas mal de friandises comme vous pouvez le voir, des friandises comme ça, des friandises comme ça. Voilà, des friandises comme ça. Et mon papa et ma maman ont acheté ça aussi à Birdie. Ils ont vu mes vidéos, ils savent bien que Birdie elle adore ça. Tiens mon chien. Voilà, elle est contente. La bichette il va gueuler parce qu'il a rien eu. Ils ont pris ça, c'est super bien pour les dents des chiens. Franchement, géniaux. Vraiment géniaux. Et donc, j'ai eu ça de la part de mes parents pour Birdie. Donc c'est pour mettre les croquettes avec la petite cup. Je vous assure que c'est hyper pratique parce que pour mettre les croquettes dans la gamelle et tout c'est hyper galère. Donc ça et ça c'est beaucoup plus esthétique et beaucoup plus pratique. Je vais pouvoir mettre toutes ces croquettes, je suis trop contente. Pour moi j'ai reçu de la part de ma soeur des dessous de verre en quartz. Alors ma soeur était hyper déçue de ce site Kentio, mais moi aussi d'ailleurs. Sur le site on avait ce genre de dessous de verre et sur la photo il y en avait 4. Et en fait quand ma soeur elle les a commandés, il n'y en avait qu'une seule qui est venue dans le colis. En fait le prix c'était juste pour un seul dessous de verre. C'était super cher. Après donc elle a pris en rond comme je le voulais, sauf que le rond est extrêmement ridicule. Par exemple pour un verre, ça fait, le verre est plus grand que ça. Donc ça je vais l'utiliser pour mettre les bijoux. Il y en a un qui est arrivé cassé. Et donc moi j'en ai 2 ou 3 comme ça. Et ils sont super jolis hein, franchement, mais pour le prix c'est super cher. Et je sens du dropshipping sur ce site, je sais pas pourquoi je sens du dropshipping. Je sens que ça on peut le retrouver facilement sur AliExpress. C'est dommage parce que j'avais vraiment, j'aimais beaucoup ce site, je trouvais ça vraiment très beau. Et au final c'est pas de la qualité et c'est super cher pour ce que c'est. Toujours sur le site de Kenty Home, elle a pris aussi la petite bouteille isotherme. Et franchement ça n'a rien à voir avec la photo, vraiment rien à voir. Sur la photo c'était rose gold, mais genre gold comme jamais. Et là c'est juste rose en fait. Donc on était hyper déçus, on s'est dit mais c'est pour le prix, c'est super cher. Et au final c'est pas trop la couleur qu'il y avait sur la photo. Et en plus l'écriture c'est un autocollant qu'ils ont mis. Donc quand tu le laves, ça s'en va en fait. Donc ouais, c'est pas forcément bien. En plus, ils l'ont extrêmement mal mis ici. Donc hyper déçue pour ma soeur de ça, parce qu'elle pensait que c'était beaucoup mieux quoi. Mais moi, je lui dis ça va très bien. Il y a mon prénom dessus, je suis super contente. Et pour prendre mon thé, mon café ou je ne sais quoi, j'aime beaucoup. Donc il va pas être à la poubelle, je vais l'utiliser bien évidemment. Mais c'est vrai que par rapport à la photo sur Kenty Home et tout, franchement, on était hyper déçus de ce site. Je pensais que c'était vraiment un site beaucoup plus quali, parce que beaucoup d'influences m'en en parlait, genre Noémie Makeup Touch elle en parlait énormément, enfin j'en voyais pas mal. Et au final c'est des produits je sais pas, je suis quand même contente de ma bouteille isotherme parce que j'en avais besoin d'une. Ensuite ma soeur elle m'a offert ça, alors ça c'est, comment dirais-je, ça sauve ma vie parce que je le voulais vraiment beaucoup. C'est pour faire cuire les patates au micro-ondes. Je supporte plus les cocottes parce que les cocottes faut les laver et c'est chiant, faut toujours laver à la main, je n'en peux plus. Pour mettre les patates au micro-ondes, tu mets les patates là-dedans, tu mets 4 minutes au micro-ondes et c'est cuit.
C'est pas magnifique ça? Ça je le voulais de fou, donc ça, ça se trouve à la chaise longue. Alors j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Ça va me sauver la vie. Ensuite, mon père il m'a acheté ça. C'est une passoire qui est rétractable. Ça. C'est comme le seau que j'ai pour faire le ménage que j'ai acheté à Action. Donc ça c'est hyper bien. Et si vous voulez faire une petite coloration sans toucher le cuir chevelu, je vous invite à prendre ça. Hop, une petite coloration ou des mèches, hop, sans toucher le cuir chevelu. Prenez ça, vous avez des trous un peu partout. J'aurais dû amener ça le jour où j'ai fait mon changement de coupe. Mais ça c'est de la part de mon père et de ma belle-mère. Ensuite ma soeur m'a pris ça, elle m'a pris une théière, la théière est magnifique. Malheureusement il y a toujours mon copain qui casse mes théières, je sais pas pourquoi. Comment? Mais il arrive toujours à me les briser. Mais vraiment. Donc là, j'ai dit, tu vois ça, bébé? Tu n'y touches pas. Parce que je l'aime beaucoup trop. Elle est très 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 belle. Je vais vous montrer ça de plus près. Parce qu'en fait, ma soeur, elle sait très bien que j'ai plus de théière en fait à cause de lui. Donc elle m'en a racheté. Elle est archi belle. Franchement, j'aime bien le petit détail avec le bouchon là. Enfin, avec le petit truc là. J'aime beaucoup. La forme est magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Très, très, très joli en verre. Magnifique. J'aime beaucoup. Oh, j'aime beaucoup, beaucoup. Ça fait 0,55 litres. Donc, vraiment trop contente. Ça me fera. Ça fait environ 2 tasses. Ensuite, toujours à la chaise longue, elle m'a acheté ça. J'adore, j'adore, j'adore. C'est un petit panda qui permet de mettre bah, les bagues, etc. Un porte-bague en fait en forme de panda et de licorne. Donc, c'est vraiment super joli. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je l'ai vu à la chaise longue. Enfin, je lui ai tout montré en fait à la chaise longue. Je lui ai dit, ah, c'est pas mal, c'est hyper joli ça, etc. Et elle a retenu. Donc, ça, c'est cool. Et elle me les a pris. Franchement, hyper joli. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est magnifique. Ensuite, j'ai eu des serviettes pour s'essuyer les mains. J'en avais besoin pour ma salle de bain parce que j'en ai pas. Je suis super contente. Donc, ça, c'est les parents de la femme du fils à ma belle-mère. Voilà, super joli. J'en ai eu 2. Donc c'est la marque Carrefour et j'aime beaucoup beaucoup beaucoup, il me fallait des serviettes pour me suyer les mains et bah, ça tombe bien. Ensuite j'ai eu des célébrations de la part de mes beaux-parents et eux aussi ils ont eu des célébrations. Donc quoi, les grands esprits se rencontrent. Mon copain il a eu une carte cadeau Illicado, donc super contente, au moins il peut utiliser ça dans plein de magasins, c'est vraiment un bon truc. Grande Récré, la Galerie Lafayette, Truffaut... un peu de tout en fait, Adidas, Camailleux, Fnac, enfin voilà. Donc il était vraiment content. Ensuite il y a mes beaux-parents qui devaient m'acheter, vous savez, le crayon à sourcils de chez Benefit. Ils étaient dans le magasin et tout, tu vois. Et ils sont passés à la caisse, il y avait tellement de monde qu'ils l'ont pas acheté parce qu'il y avait vraiment beaucoup de gens. Et donc la vendeuse elle leur a filé ça. C'est un mini crayon Benefit, il est tout kiki. Ah c'est trop mignon! Je l'ai montré à ma soeur, c'était trop mignon, vraiment trop 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 choupi. Au moins je peux tester la teinte, hein. Au moins on va voir si c'est ça. Mais trop contente, ils m'ont pris la teinte 3.5. Ensuite j'ai eu des chocolats, des petits Kinder, ça c'est ma soeur. Et on va passer à une petite partie de vidéo qui s'appelle les conneries de Patrick. Alors les conneries de Patrick c'est quoi? C'est mon père qui achète des conneries sur AliExpress ou des choses comme ça. Des conneries ailleurs, dans boutique, je ne sais quoi, où il faut deviner ce que c'est. Il m'a acheté ça. Voilà, on ne sait pas à quoi ça sert, on ne sait pas du tout. Donc c'est Catherine qui m'a expliqué que quand on fait la cuisine, au lieu de mettre, vous savez, les couvercles des casseroles bah, sur le plan de travail, et ben on le met ici, enfin tu sais comme ça, et on peut mettre la louche là pour pas salir le plan de travail. Mais je lui dis mais ça sert à quoi de pas salir le plan de travail alors que tu salis ça? Ça revient au même en fait. Donc voilà les conneries de Patrick. Patrick c'est mon père en fait. Hein. Ensuite il a acheté ça sur AliExpress. Il m'en a acheté 4 hein, quand même. Hein. Il m'a acheté ça. Alors au début je pensais que c'était une pelle à crottes. Un truc pour mettre les croquettes ou je sais pas tu vois. En fait pas du tout. En fait c'est tu prends ton assiette, tu mets ça sur l'assiette. Ça permet de mettre les sauces. Voilà les conneries de Patrick. Quand on fait de sushi ou je ne sais quoi, bah hop, on met ça là-dedans. Ou ketchup, moutarde ou je ne sais quoi. Quand on fait des tapas, voilà. Après la couleur orange est très particulière, mais ça s'appelle les conneries de Patrick. Ensuite, il m'a acheté ça, il m'a acheté un petit tatouage poisson. Il m'a dit t'as intérêt à le mettre, sauf que j'ai peur d'être allergique. C'est un poisson, c'est même pas un poisson, c'est genre un poisson dragon. Les conneries de Patrick. Donc ça, je sais pas, je vais le mettre sur ma cuisse, tiens. Et après, il a eu ça aussi de lui-même, en fait, il s'est acheté ça lui-même. Il a eu un lion, et moi j'ai trop kiffé ce lion-là, j'ai trouvé ça hyper beau. Surtout que moi, je vais me faire un tatouage lion, et ça, c'est vraiment super joli. J'aime beaucoup, là, enfin j'aime beaucoup. Donc j'ai envie de tester un peu, voir ce que ça donne, mais je sais pas, enfin mon bras, il est pas assez large. Donc là, il est pas assez large, donc peut-être je vais le mettre sur la cuisse, ou je sais pas. Mais j'aime beaucoup, c'est hyper joli. Mais j'espère que je vais pas être allergique encore une fois. Ensuite, mon père il m'a acheté ça.
Il m'a acheté le tome 5 de la dynastie de Donald Duck. C'est une édition que j'adore. Au moins, quand tu l'achètes, eh ben, ça te fait une petite image. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, j'en ai 6. Donc, moi, d'habitude, je l'achète sur Vinted. Donc, j'en ai montré sur Vinted qu'il y en avait. Alors, mon père, il a commencé à voir le prix que ça coûtait en gros. Il m'a dit, ça te fait que 8 euros de remise. Bah oui, c'est quand même pas mal 8 euros de remise, parce que 8 euros de remise c'est déjà ça, tu vois. Il m'a dit autant pour le prix, autant t'en acheter un neuf, parce que je sais pas l'état du bouquin et tout, donc il m'a acheté neuf. J'ai le petit Dynastie de Donald Duck, j'adore cette série, vraiment j'adore, j'adore, j'adore. Et ensuite les beaux-parents, ils m'ont acheté non pas un, ni deux, mais 3 Picsou Magazine. Donc en fait ils m'ont acheté les trésors de Picsou, c'est la collection qui vient juste de sortir en janvier 2020. Celle que j'adore aussi, c'est les trésors de Picsou. Je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ceux-là, c'est mes préférés. Ils sont géniaux, vraiment. J'adore, 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 j'adore. Ils m'ont pris le Picsou Magazine. Ça aussi, ça fait ma collection aussi. Et ils m'ont pris celui-ci aussi. C'est le Super Picsou géant. Donc ça, je vais bientôt l'arrêter. Enfin, dès que j'ai fini le petit dessin, j'arrêterai celui-ci. Mais j'aime beaucoup aussi, c'est vraiment bien. En plus, là, c'est en noir et blanc, c'est hyper bien. Ensuite, mon père, ça, franchement, c'est hyper drôle. Parce que, en fait, mon père, il m'a acheté ça. C'est un Karcher pour faire mes vitres. Un truc vraiment hyper bien pour faire les vitres, etc. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, il y a ma voisine qui avait acheté la même chose que ça. Et en fait, c'est nous qui avons reçu son colis. Et quand j'ai ouvert le colis, je me dis, j'ai jamais commandé un Karcher, moi, tu vois. Je regarde le nom, je vois que c'est pas à moi. Donc, genre, je l'ai rendu à ma voisine. Et c'est drôle parce qu'à Noël j'ai eu le même. Ça me fait trop rire. Donc voilà, je suis contente, j'ai un cachet pour faire mes vitres. Mais mes vitres c'est chiant parce que dès qu'il pleut ça se ressalit, c'est archi casse-couille. Mon père il a pris ça à ma soeur et à moi. Donc moi j'en ai eu deux. C'est des petits, j'aime beaucoup ça moi. C'est des petits bocaux que tu accroches sur le mur et tu mets à l'intérieur une plante. Tu mets de l'eau, genre c'est hyper joli. Donc moi je vais mettre ça dans le, enfin je sais pas où, sur le mur. Et je vais mettre une orchidée à l'intérieur, une orchidée spéciale pour ce genre de bocaux. J'ai vu ça à Truffaut qu'ils en faisaient des orchidées comme ça. Et je trouve ça magnifique d'avoir une plante là-dedans, je trouve ça super joli. Et mon copain il aimait bien ce style transparence effet globe. Je sais pas si vous vous souvenez que j'avais acheté à Truffaut un espèce de globe avec une petite plante à l'intérieur. Il avait trop kiffé, ça tient super bien en plus et c'est super joli. Moi, je suis super contente parce que ça plaît aussi à mon copain. C'est important que ça plaise à nous deux parce qu'on vit tous les deux. Donc pour une fois que ça plaît à mon copain, c'est génial. Donc on en a deux, on va pouvoir les poser et pouvoir choisir nos petites plantes à mettre à l'intérieur. Mais c'est vraiment très joli. Birdie elle a eu ça aussi, elle a eu les petites friandises comme ça. Ah, je dis qu'il y a des friandises comme ça. Et ensuite le meilleur cadeau du siècle, j'ai envie de vous dire. Je pourrais enfin mettre mes assiettes dedans et ça va pas tomber, oui. Parce qu'en fait, quand je fais ma vaisselle, mes assiettes elles tombent tout le temps, j'ai jamais de place. Et là je vais enfin avoir de la place pour faire ma vaisselle. Comme ça mes assiettes vont pas tomber parce que là, toujours ça tombe tout le temps. Et je pourrais mettre enfin mes couverts là dedans. Parce que d'habitude j'ai mis dans un truc à thé, vous savez, les petits trucs à thé. Ah c'est la dèche, les enfants, c'est la dèche. Donc ça vient de chez Maison du Monde, c'est super joli. C'est pour mettre donc les... enfin c'est un agoutoir quoi. C'est archi beau, je le voulais vraiment beaucoup. J'attendais les soldes pour voir s'il était soldé et au final bah voilà, je suis trop contente. Donc bah voilà pour mes cadeaux de Noël. J'étais vachement gâtée, j'adore tous mes cadeaux, ils sont vraiment géniaux. C'est pas des conneries, c'est pas... enfin si, il y a des conneries. Ça s'appelle les conneries de Patrick, hein. Chaque année on en a. Mais vraiment trop contente, un peu déçue voilà pour le site Kenty Home. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je pensais que c'était un site un peu plus quali. Et là vraiment déçue, je sens du dropshipping. Je sais pas pourquoi je le sens. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas que vous êtes contents de vos cadeaux aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez eu pour Noël. Ça m'intéresserait vachement de voir les petites pépites que les gens ont eues. Ça serait rigolo ma ticket. Bah oui, ça serait bien. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne. Juste là, je sais plus si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à demain peut-être pour un prochain Vlogmas. Bye bye.